Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le test, le gameplay. Il n'y aura pas d'invocation sur le portail parce que c'est pas ce personnage-là que je souhaite avoir. Bien sûr, vous pouvez toujours invoquer parce que c'est un très très bon DPS. Du coup, il y a un event autour de Luxus. Et là, on est en train de compléter un peu son event pour pouvoir récupérer des petits diamants à droite à gauche. Il y a environ 500 diamants à récupérer. Et on verra à la fin. S'il y aura plus que ça à récupérer. N'oublions pas le petit pouce bleu et 12 abonnés à la chaîne. Le perso est un perso neutre. Du coup, il n'a pas de points faibles. Except... Non, il a même pas de points faibles. Tous les types sont favorables. Du coup, il contre tous les types. Et ses attaques se basent que sur le DPS. Voilà sa compétence overcheatée. Bien sûr, overcheatée au niveau 60 ans. Ça à faire. Du coup, on a 150 à récupérer ici. Je pense que. Ok. À 150 plus. Un ticket. Bon, j'avais fait une multi pour voir si je drop en off. Et après, on va voir si on sera chanceux. Hein. Sur le prochain portail. Et d'ailleurs, très bon point, la pitié se transfère, les amis. Ok. Il y a un truc que j'avais pas dit hier sur sa lance. Sa deuxième compétence qui est la lance foudroyante du dragon électrique ou de tonnerre. Bref, il y a la possibilité de stun aussi. Mais pendant un très laps de temps, on n'est pas sur un stun à la Jhelal ou à la Sol. Ok. Je crois qu'on aura également un autre portail entre le 19 et le 20, si je dis pas de bêtises. Entre le 19 et le 23 plutôt. On verra ce que ça va donner. Hein. Dans celui-là logique, l'autre portail sera celui de. Je crois Jhelal, si je dis pas de bêtises. En espérant que j'ai 2-3 multis d'ici là. 4 multis. Bien sûr. Vu qu'on n'a pas la possibilité de payer, essayez de bien gérer le stockage de vos gemmes. Point positif aussi sur le perso, c'est qu'il récupère rapidement ses compétences. À la différence où, par exemple, Bista, elle met vraiment entre 10 à 30 secondes pour récupérer ses compétences. Là, on est entre 9 à 15 secondes. C'est vraiment un bon point. En vrai, le perso est vraiment bon quand il est maxé, quoi. Du coup, en fait, là, le perso, il est juste maxé 60. Pas d'équipement, rien du tout. Parce qu'avec... Il serait vraiment maxé à fond avec les doublons et tout. Il sera à 200, entre 250K et 400K normalement de puissance. Et là, le perso, il a juste 131 000 de puissance. C'est ce que j'atteins avec mon perso sans doublon. Juste avec les bons trucs maxés. Voilà, on arrive au boss. Qu'est-ce qu'il a fait?
Heureusement qu'il n'y a pas un système de mission à compléter dans la mission dans le combat. Ok. Ça se débloque dans 1 jour et 6 heures normalement, ou dans 1 heure et 16 minutes. Et ah voilà, ça, là c'est dans 1 heure et 16 minutes, et là c'est dans 16 heures et 52 minutes. Ok, là c'est les invocations. Vu que la trans que la pitié se transfère, il y a moyen que j'invoque. Parti, je vais faire juste une multi. Là, je vais faire la single, puis après la multi. Oh, je drop, je le drop! Je le drop! C'est incroyable! C'est incroyable! En plus, je drop canne avec! Je drop canne avec! Yes! Ah non! Ah, c'est Cobra! Ah, c'est dommage. C'est Cobra. Bon, ça me fait un autre. Ça me fait un autre SSR, point positif. Bon, maintenant, on va économiser le reste. En plus, ah, c'est dommage, ça se remet à zéro là. Ah, en fait, c'est normal, mais bon, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas que le perso en question. Faut que j'en fasse encore combien? Bon, on verra. On verra dans les prochains jours s'il y aura une autre multi, enfin d'autres multi, ou si j'économise. On va voir, je pense que je vais économiser pour le prochain portail au moins 6 ou 7 multi. On verra si on sera chanceux. Au moins là, on drop une autre unité, même si c'est pas celle-là que je souhaitais avoir. Ok. Oh, ben ok, c'est pas mal. Pas mal, des capsules de SSR. On va aller ici. On va garder. On sait jamais. Ça peut cacher des bons trucs. Ça peut, si on attend et qu'on patiente. Ok. Alors, il est où? Il est là. C'est pas un perso que j'apprécie fort, que j'apprécie même dans la série. Même dans la série, c'est pas un perso que je kiffe spécialement, mais bon, ça fera un SSR. Maintenant, j'en ai 3. Et bah ouais, ça va me permettre de stack. En plus, j'ai drop Kana derrière. Du coup, ça fait une bonne multi. On va la monter d'ailleurs. C'est vraiment une belle multi. Même si j'ai pas drop Luxus, ça reste une bonne multi. Ok. Du coup, elle on la monte gentiment comme ça. Et on va se quitter sur ça, les amis. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça fera énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.